Created with free version for non-commercial use. Bon, on peut re-saluer Maestro Glock Hunter. Excusez-moi si je écorché non là un peu. Donc, moi dis bonsoir, bonjour à tout le monde qui a écouté nous actuellement sur Radio Akinoise International France. Et aussi qui a écouté si un magazine en ligne, JMC Graph Magazine. Donc, c'est une émission exclusive que l'a fait avec Maestro Glock Hunter. Moi, dis nous si non écorché, excusez-moi. Il semblerait que c'est un nom d'origine anglaise. Donc, faut que moi dis nous que Maestro ou pianiste là, l'y trouve dans en États-Unis. Donc, pas besoin effectivement donc spécifier état et que moi trouver moi en Haïti pour interview exclusive ça. Donc, pas qu'on est comment pour moi les ou si c'est Maestro, c'est pianiste. Donc, n'a pas essayé effectivement donc ouais non demi-heure ça qui vient là pour nous parler en long et large de parcours de vie Maestro Glock Hunter. Donc Maestro à vous. Donc pour première question, nous t'aimons effectivement que vous parlez nous de origine nous parce que moi bon connotation anglaise. Est-ce que vous c'est d'origine anglaise ou c'est typiquement haïtien? À vous Maestro. Bon, moi, c'est définitivement typiquement haïtien, de selon ça que je connais, du fait que ni maman ni papa, je suis haïtien. Alors, bien entendu, bon, tout pas moins, dans l'âge de l'Europe, et je même pas rentré dans l'Aïtiaïo. Mais papa avec maman, c'était haïtien natif, natif d'Aliété. Et moi-même, tout, moi, j'étais fait en Haïti. Moi, c'est un petit du côté de Carrefour, précisément là, Mantin. Created with free version for non-commercial use. J'étais dans le cas, à côté que maman et papa, c'est là, à faire musique. Moi, j'étais où? J'étais dans le cas, à côté, c'était du piano. Alors, moi, j'ai commencé à apprendre, commencé apprentissage piano à l'âge de 11 ans. Ça a vraiment continué dans le sens de leçon. Même évidemment, apprendre, évidemment, il faut être capable de continuer et lancer une carrière musicale. À l'âge de 16 ans, moi j'ai commencé carrière musicale, ou t'as qu'à dire professionnelle, moi, côté que moi j'ai travaillé la musique pour un salaire. Ok? Alors, qu'on y a là, brièvement, bon, dire que durant mes premières années, en tant que musicien au travail, moi j'ai dirigé certains groupes musicaux. Ou du moins des certaines chorales à l'église Epiphanie de l'Épiscopal, comme ça, côté que nous avons un chœur d'enfants, nous avons un chorale des dames, tout, bah, comme ça. Et puis, dans la même époque, ça tout, moi j'ai adonné moi, à l'instruction, à l'enseignement, moi j'ai gagné deux ou trois élèves, en pile dans eux, c'était mon âge, je dis. Et de là étant, moi, j'ai vu une chance de prendre fil dans le circuit hôtel, bagaille, que moi, j'ai vu dans plusieurs hôtels aux États, à Port-au-Prince. Et c'est de là que moi, j'ai fait un voyage pour l'étranger. Oui, nous sommes connus, même dans le temps, est-ce que musique, ça, ou t'es connu, effectivement, que pratiquer, hein? Il était toujours apprécié par une catégorie de monde en Haïti. Moi, c'est, il n'y a que le compas qui était apprécié. Et n'est pas genre de musique, ça, ou en fait pratiquer. Hein. Ah, c'est une très bonne, c'est une très bonne question. Toi, bien dire qu'à l'époque, l'on a joué en Haïti, bien comme des joueurs compas, mais. Moi, j'étais plus content de jouer un style de bagaille de l'étranger. Et pour qu'on ait, c'est un bagaille qui était fait tout le monde plaisir à l'époque. Parce que l'île n'est pas un bagaille qui était si usuel
pour que musicien terrain capable jouer musique qui était sonnée pour musique brésilienne ou bien musique française, bagaille, tu vois. Alors, c'est qu'à dire que ça t'est fait une différence, mais probablement à ma jeune moi j'ai plus évolué dans ces deux milieux qui a dit qu'il y a un pire monde international dans le monde. Nous avons joué pour le monde de plusieurs nations, en d'autres termes. Et sur l'autre vie, mettez audience, moi qui était sorti, qui était sanitaire, il y a une audience internationale, plus une audience haïtienne qui a gagné un goût pour les choses internationales. Alors, moi, j'ai toujours gagné une audience qui est très réceptive, ou t'as dit, en ce qui concerne ça, mais fait en musique, qui pas tout le temps et nécessairement un style haïtien. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un plus grand souvenir que vous gagnez de parcours dès que dès lors où tu as commencé à nos jours, maestro? Bon, mon cher, bon, meilleur souvenir que tu as pensé, c'est que c'est dans une soirée d'hôtel, ça y est, côté de jouer dans Castel Haïti Hôtel. Et que c'est dans une soirée comme ça que je me suis rencontré avec le monde que je me suis marié. Wow! C'est vrai, oui. Alors bon, nous n'est pas vraiment nécessaire pour m'entrer dans tout le détail, mais là, regardez tout genre de souvenirs que je me suis gagné de soirée, ça y est, bon, c'est peut-être vous ne pouvez pas dire raisonnablement, un souvenir qui est plus vibrant. En tête, moi, je fais ça, et où le monde va comprendre ça. Et c'était comme ça, c'est que j'ai rencontré un monde qui était tout à fait moins connu. Et puis, deux ans plus tard, son monde que je me suis marié. N'est-ce pas? Okay. Et bien entendu, il y a d'autres souvenirs, tout, mais c'est souvenirs qui nous a dit non seulement plus vibrant, mais c'est lui qui tout. Est-ce que de nos jours, ou pas un peu nostalgique, ou l'inverse, émerveillé donc, pratique musicale ça que faire des tendances à perdre vraiment en fait que valeur en Haïti. Est-ce vrai ça que me dit hein, ou dis-moi effectivement le contraire, maestro? Bon, faut me dire que moi pas tendé dernière question pour poser dernière question ça. OK. Pas tendé lignes. Vas-y. Moi je voulais faire connaître est-ce que vous pas un peu nostalgique le ou ouais, en fait type de musique ou pratique ça ou fait là dans le musical, est-ce que vous pensez yo valoriser encore en Haïti? Ah oui, bien entendu. Et forme du tout que de nos jours et que moi toujours à l'aise avec tout ça qui est international, moi jouer n'importe quel genre de musique. Mais tout moi vin inclus ou du moins moi style haïtien dans le répertoire moi même plus importance toujours qui ont place d'honneur et style musique haïtienne c'est un bagage spécial que lié li gagne un couleur qui tout à fait différente même genre là ouais habillé à l'haïtienne avec des habits folkloriques. Ou est que c'est pour un bagage qui est seul ou que son bagage spécial. Et c'est comme ça, la musique là, tout à fait spéciale, musique haïtienne. Donc, l'idée est de place, même moi, en considérant la place que j'ai gagné dans le répertoire moi avant, et moi tout dédié moi. Rehausser style musique haïtienne là même, mettre plus épices là dans le doudou pour me rendre plus belle. N'est-ce pas? Vas-y. Actuellement là, on a écouté Maestro Glock Hunter qui, aux États-Unis, dans le cadre d'une émission, non, une interview exclusive que l'on a accordé à Radio Aquinoise France Internationale basée en France. Ainsi que pour le magazine JCM Graph Magazine basé en Haïti et votre serviteur
Hercule Peterson qui assure l'interview. Maestro, dis-nous, qui ça que vous pratiquez actuellement aux États-Unis? Est-ce que vous continuez dans le domaine musical ou vous mariez entre le travail et aussi la musique? Bon, moi, je fais les deux, c'est vrai, ou tout à fait sur le point. Moi, je fais les deux. C'est un peu difficile pour les musiciens de musique seulement. Même dans le cas, par exemple, on sait de gros musiciens qui ont un contrat avec les orchestres symphoniques, philharmoniques, moi. Des fois, on a un petit problème finance. C'est pour vous dire, et maintenant, parler de monde qui signe un contrat. Ouais, donc so, il y a tout un petit problème finance. Donc, so, moi, toujours, j'ai un petit dégagé la semaine. Et puisque la musique, là, lui-même, est plus évoluée durant les fins de semaine, alors, pas presque gagné interférence entre les deux. Le mieux pour moi, tout, moi, je vis de financière un peu plus stable en le faisant. N'est-ce pas? Mais toute musique en lui-même, c'est plus fort. M'a toujours à la musique jusqu'au dernier souffle. Et tout, created with free version for non-commercial use. Tellement d'investissement dans l'instrument musique pour que la carrière maintenant par mais que c'est le monter, tu vois. Oui. Nous très actifs en musique, nous allons aller plus haut toujours même dans le sens de qualité de Paraisayo. Et c'est ça que moi je souhaite l'État arrêter jusqu'au dernier souffle. Mais excusez-nous, passion ça, amour ça, ou bien effectivement pour l'art. Est-ce que vous partagez avec progéniture ou dis-nous comment ça y est? Bon, c'est malheureux que aucun petit moins va jouer musique, bien que. Created with free version for non-commercial use. Il y a une bonne action, des choses de la musique, et il y a bien apprécié ce que pas. Je suis fier de ça. Mais yo même, yo pas gagné, yo dévotion musicale et non plus des activités musicales que yo engagé là-dedans. On a parlé de nouvelle génération musicale là, sans pousser la foi, c'est où, parce que vous connaissez effectivement son senior dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'on pensait de nouvelle génération musicale là? Est-ce que monsieur, on fait donc les notes? Selon enfin ligne musicale là et partition yo, est-ce que yo joué la bonne musique pour des monde vraiment qui pas connaît? Est-ce que c'est yo en bonne direction hein, la question musicale? Oh, c'est-à-dire que moi très appréciatif de production musicale actuelle là au monde qui aller de comment longtemps c'est un peu bon et qu'on y a musique en partie bonne, mais non, il n'y a plus, tu vois, parce que il y a une certaine évolution qui prend pied quand même, qu'on le ou pas, parce que l'année a passé comme ça, c'est pas qu'un coucou qui a prêté même ma guerre, tu vois, et je pense qu'on est des gars physiques à avoir que le musicien a été pris un tour dans le marché de Midas, qui était un groupe de jeunes là, qui sont sans piano, donc juste dans une. Created with free version for non-commercial use. Il y a un improvement. Donc,
c'est un changement majeur que tu es dans la musique haïtienne. Changement, il pisse à ce